vos artistes se sont prêts et on va faire le silence pour qu'ils viennent. Alors, ils ont les chocottes, un petit peu. Mais je pense que si on les applaudit très fort quand ils vont arriver, ils vont être super heureux. Avant ça, Anouk, ici présente, va vous donner un petit mot. Merci et bonsoir à tous. Il me revient donc de faire les remerciements, d'adresser les remerciements au nom du conseil municipal et plus particulièrement au nom de la commission scolaire jeunesse. Donc un grand merci à vous tous ici présents, à Madame Garasso, inspectrice de l'éducation nationale, aux enseignants que j'ai pu saluer, et pardon à ceux que j'ai peut-être pas encore, à qui j'ai encore pas pu faire un petit coucou, aux élus, aux agents du périscolaire. Un remerciement particulier à Yvelyne, Delila et Marine pour le service, je pense que c'est pas vu comme ça. Thierry, Henri, notre photographe, et plus pour photos, c'est photo-vidéo. Martine Baird, qui est juste à côté de nous, qui représente la métallerie Roland, réalisatrice de la magnifique inscription que vous avez pu voir devant l'école, hein, et qu'on ira voir, je crois, à la demande de Jo pour faire des photos. Et puis, bien sûr, à nos jeunes élus et tous les enfants de l'école, ainsi que les familles, pour avoir participé à ce baptême hein, de nos écoles de photographes. Donc, vraiment, au nom de tous, un immense merci et je passe la parole à Annie Barbier. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Non, alors, si vous voulez m'entendre, il faut se taire. Donc, pourquoi ce baptême? Et tout simplement parce que l'école de Frontenac, les écoles de Frontenac, pardon, n'avaient jusque-là pas vraiment de nom. Elles se sont appelées l'école maternelle de Frontenac, l'école son château. Mais jamais ça n'avait été officialisé. Donc les jeunes élus et les CM1, CM2 ont voté, ont proposé des noms. Ensuite, il y a un vote, il est ressorti trois noms, après avoir éliminé le style école des vers de terre, etc. Il y en a tout ce qui était farfelu. Il en est resté trois, c'était l'école Charlie Chaplin, Thomas Pesquet et l'école des Marais. Les enfants du coup ont voté et à peu de voix près, c'est l'école Charlie Chaplin qui a été retenue. Voilà. Pourquoi le baptême? Alors maintenant, je vais vous présenter les jeunes élèves du CME, du conseil municipal enfants, ils sont 8 donc, et ils ont préparé une scénette sur le thème de Charlie Chaplin. Pour ce faire, ils ont d'abord visionné plusieurs courts-métrages pour repérer des mimiques, puisque c'est le cinéma muet, donc ils n'en vont pas parler du tout. Ils vont s'exprimer par leurs gestes, déplacements, enfin ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, il faudra les encourager après, les remercier, parce qu'ils ont vraiment travaillé. Et ils avaient étudié en classe aussi Charlie Chaplin, donc c'est un travail aussi en lien avec les enseignants, et ils le remercient vraiment parce qu'ils ont joué le jeu, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Voilà, alors, le thème de cette scénette, on aurait pu choisir parmi différents films de Charlie Chaplin, bien sûr, mais celui-ci, on l'a retenu, et c'est le thème de la séduction. Donc, vous allez voir, nos petits charlots vont essayer de séduire des petites filles, mais qu'il faut plusieurs tentatives pour y arriver. C'est pas si simple. Voilà, donc je voudrais justement aussi remercier les cousettes qui ont gentiment... L'association des cousettes, plusieurs membres ont accepté de coudre les jupes des petites filles. Voilà. Et elles sont présentes. Alors, après la scénette, restez bien en place. Les enfants ont un petit message, quelques petites phrases à vous dire. Et tout de suite après, les enfants. Tous les enfants qui sont ici viendront rejoindre les petits acteurs pour une chanson commune que tout le monde a appris en classe. Voilà, et que vous chanterez avec eux parce qu'il y a des petits papiers sur la chaise là. Voilà, donc place aux stars. Nous allons accueillir avec beaucoup d'indulgence Eleanor. Chloé. Lydian. Katie. Oui, bon,
Théo, Mathieu et Mapon. Ils sont un peu stressés, mais bon, ils arriveront. Et nous remercions aussi Lavigne à mes côtés qui a participé à la préparation aussi, depuis quelques spectacles. Voilà. À bientôt donc pour le spectacle. Il est né à Londres le 16 avril 1889 et mort en Suisse le 25 décembre 1977.
Il a réalisé des films muets pour faire passer des sentiments, des émotions par les gestes et les mimiques. Son premier film muet s'appelle « La sortie des usines Lumière à Lyon ». Son premier film parlant s'appelle « Le dictateur » en 1940. Quelques autres de ses films. « Le Kid »,« Le teint moderne »,« La rue vers l'or » et « Le lumière de la vie ». Bienvenue désormais dans nos écoles. Maternelle Charlie Chaplin, élémentaire Charlie Chaplin. Okay.